nouvelle librairie complètement gratuite pour contact de Native Instruments. Elle nous vient d'un éditeur que j'aime énormément qui s'appelle Rhythmic Robot Audio. Et la librairie s'appelle Commodore 64 Session Deluxe. Alors tout simplement, hein, si vous avez connu le Commodore 64 qui était un ordinateur apparu au milieu des années 80, et qui a frappé avec son poids dans les enjeux audio, on va dire, grâce à la puce intégrée SID. Donc vraiment, cette puce, à l'époque, a acquis une véritable réputation culte afin de repousser les limites de ce qui était possible pour un ordinateur à la maison, et j'insiste bien, à l'époque. La puce SID lui a donné des capacités de synthèse beaucoup plus complexes et polyvalentes que ses contemporains et l'a maintenue au-dessus de la liste de tous les aficionados de chip music. Donc ici, nous avons 30 patchs dans la bibliothèque échantillonnés à partir de 3 itérations différentes de l'ordinateur Commodore 64. Donc là, on retrouve tous les instruments, les 30. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons la possibilité de passer en mono ou en polyphonique. En mode mono, on peut ajouter du glide, donc ça va glisser entre les notes. On a une enveloppe de filtre avec l'attaque, le decay, le sustain et le release. On va avoir l'enveloppe d'amplitude, donc au niveau du volume. Là, on peut retarder l'attaque. Donc là, on a la possibilité d'activer ou pas le filtre avec la fréquence, la résonance, la vélocité, le type low ou high. Donc, high cut ou low cut. Hein. La profondeur du LFO et le speed. On va pouvoir jouer sur la stéréo et sur le vibrato. Là, on entend bien le LFO. On a le rear panel, où on a l'arrière. Donc c'est juste graphique au niveau de l'interface. Voilà, essayons quelques autres patchs. Arpège mineur. Donc là, des basses. Vous voyez, il y a toujours des sons qui sont bons à prendre. Hein. Thank you.
très sympa ça. Avec du noise, du bruit. Voici pour cette librairie super sympa que vous retrouvez sur notre site dans la rubrique Synthé gratuit pour contact. Tu retrouves dans les commentaires de la vidéo, là juste en dessous, eh bien les liens pour créer ton compte, c'est complètement gratuit, et pouvoir accéder au téléchargement de la librairie.